écrite, et ces propositions portaient d'une part sur la question de la sécurité des personnels, avec des questions sur les équipements, sur les formations à la sécurité, d'autres éléments encore. Également des propositions de décision sur la gestion des détenus radicalisés ou des détenus violents, avec d'une part un processus d'évaluation, puis un processus de gestion dans des quartiers spécialement habilités pour ce type de détenus. Et puis également, nous avons étudié et fait des propositions en termes d'emploi, avec la création en 4 ans de 1100 emplois de surveillants supplémentaires. Donc ces propositions ont été soumises au personnel des établissements pénitentiaires, qui les ont rejetées. C'est un point évidemment dont je prends acte, que je n'ai pas à commenter. Pour autant, je considère qu'il y avait là des éléments extrêmement positifs d'avancée pour la sécurité des personnels. C'est la raison pour laquelle, cet après-midi, en recevant l'ensemble des organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire Force ouvrière, l'UFAP tout d'abord, Force ouvrière et la CGT, je leur ai fait part de mon souhait de ne pas abandonner ce qui avait été acquis au cours des discussions de la semaine dernière. Donc nous sommes convenus d'une part de retravailler sur les propositions dont je fais ici état devant vous. Ils ont notamment souhaité que nous puissions reprendre ensemble la question de la sécurité des personnels de surveillance des établissements pénitentiaires. Et ils ont également souhaité, et je leur ai fait part de mon accord de ce point de vue-là, que la question indemnitaire soit abordée. Et c'est donc la raison pour laquelle nous allons nous retrouver dès demain pour avancer sur ces trois points que je redis devant vous, à la fois les créations d'emplois, la question indemnitaire et la question de la sécurité des personnels. Voilà, donc moi, mon souhait est évidemment que le fonctionnement normal des établissements pénitentiaires reprenne le plus rapidement possible. Il en va, bien sûr, de la sécurité de nos concitoyens. Et puis, je crois aussi que pour l'ensemble des personnels, si nous pouvons aboutir rapidement, ce sera un point extrêmement positif. Voilà. Oui, elles ont été longues parce que, d'abord, c'est une habitude ou un défaut chez moi, mais je prends le temps nécessaire pour écouter ce que l'on a à me dire. Et j'ai entendu les différentes organisations syndicales avec des propos très, je trouve, très vrais, très justes sur la réalité de ce que vivent les personnels. Je dis très vrai et très juste parce que je discute beaucoup avec les personnels des établissements pénitentiaires quand je me rends moi-même dans les établissements, où j'ai là aussi des discussions assez longues avec les personnels. Et donc, ce qu'ils m'ont dit était très intéressant, relié également à la question plus générale de la détention en France, avec la problématique de la surpopulation carcérale, donc de la difficulté pour les personnels d'exercer leur métier. Et l'ensemble de ces questions a été évoqué, en lien d'ailleurs avec les chantiers de la justice que je conduis par ailleurs. Sur les indemnisations, on parle d'un chiffre de 200 millions d'euros nécessaires pour satisfaire les revendications. Oui, ça c'est la demande, je crois, c'est à peu près la hauteur de la demande de Force ouvrière. C'est une demande qui me semble très élevée, et donc sur laquelle nous allons retravailler. Encore une fois, je pense que la dureté de conditions de travail des surveillants pénitentiaires mérite absolument d'être prise en compte, et que cela doit faire l'objet d'un dialogue avec les organisations syndicales, et c'est ce à quoi nous allons procéder dès demain. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des arbitrages défavorables de Matignon ou de Bercy, justement sur les sommes que vous pouviez débloquer ? Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça, madame. Je fais d'abord part d'un certain nombre de propositions aux organisations syndicales, et je mesure à quelle hauteur financière peut se situer le point d'accord, et c'est ensuite que je décide, dans la plus totale solidarité gouvernementale, bien entendu. Vous avez proposé 1100 emplois sur 4 ans, les organisations syndicales disent que ce n'est pas assez, vous avez les moyens d'aller plus loin. 1100 emplois sur 4 ans, c'est déjà un effort conséquent. Donc je vais voir ce que je peux proposer, mais je ne suis pas certaine de pouvoir faire des efforts beaucoup plus considérables de ce point de vue-là. Mais je vais voir, c'est avec eux que je verrai. Cette discussion, il y a
lever en partie, toute partie de ces mouvements de l'histoire actuelle. Je l'espère. J'espère que les résultats arriveront très vite. En tout cas, moi, je souhaite vraiment des résultats concrets pour les personnels de surveillance très rapidement. Si. Qui vient d'avoir lieu ? Non, j'ai repris ce qui avait été acté dans le protocole, dans le relevé de décision que nous avons remis la semaine dernière et qui comportait des choses concrètes, puisque c'est là qu'on trouve les 1100 emplois, c'est là qu'on trouve la fourniture des équipements individuels qui sont des équipements qui permettent d'éviter des coûts donc qui seront commandés extrêmement rapidement. Donc il y a des choses très concrètes dans ce relevé de décision. Aujourd'hui, je n'ai pas donné de chiffres, si c'est la question que vous me posez, Monsieur Jacquin, je n'ai pas donné de chiffres parce que je souhaitais d'abord entendre les organisations syndicales sur les revendications qu'elles peuvent porter en commun et à partir de là, faire des évaluations et des appréciations chiffrées. Mais donc en fait, c'est des propositions, le relevé de décision dont vous parlez, il a été rejeté samedi par les surveillants. Et là, vous espérez qu'ils vont reprendre le travail sans rien de plus ? Non, je n'ai pas dit cela, madame. Ce relevé de décision a été, vous le dites justement, n'a pas été accepté par les personnels pénitentiaires. Je n'espère pas qu'ils reprennent le travail par miracle. Je dis simplement que nous avions pour objectif aujourd'hui de nous retrouver. Je mets dans le pot commun un principe d'acceptation d'éléments sur indemnitaires. Et donc, c'est cela que nous allons traiter, entre autres, avec les organisations syndicales, et nous allons également reprendre des points sur la sécurité qu'ils veulent accentuer. Donc, j'espère qu'au terme de ces négociations, qui, je l'espère, seront très rapides, je pourrai obtenir un accord à la fois des organisations syndicales et des personnels pénitentiaires. L'indemnité, ce n'est pas des changements de statut. Il faut distinguer le statutaire de l'indemnitaire. Je me suis engagée à faire des propositions en matière indemnitaire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables, mais si vous le permettez, je m'en ouvrirai d'abord dès demain aux organisations syndicales. Tu as brisé l'élan. Bien, je vous remercie. Voilà, Nicole Belloubet, le garde des Sceaux, qui s'exprimait depuis le ministère de la Justice après ces longues heures de discussion, de négociation avec les syndicats du personnel pénitentiaire et notamment les blocages ce matin dans les... On va en débattre tout de suite avec Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne. Bonjour Renaud. Bonjour. Face à Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci à tous les deux d'être là. On le disait donc, la ministre de la Justice qui recevait les...